سيد الرئيس بطبيعة الحال ما راهش في الصحة اللي كان فيها في 99، وأصاب بمرض هذا ما هوش سر، لكن كان لي شرف تلاقيت به يوم 27 الخميس ويوم 6 مارس الخميس كذلك، 90 دقيقة في اللقاء الأول و60 دقيقة في اللقاء الثاني. ذكاه وقدرته للتحليل وقدرته يعني السداد في التقييم وإعطاء الآراء، لأن كنا في جلسة تاع اللقاء حول الحملة وحول الرئاسيات، يشابه تماما، والله أعلم ما أقول، شاهد على الذكاء والوعي والسداد اللي كان عند الأخ اللي خدمت معاه 10 سنين ونص في جهاز الدولة. C'est un message clair. Il est en train de nous dire que M. Bouteflika n'a changé en fait qu'en apparence. Son intelligence, elle est intacte. Son analyse des dossiers, sa gestion des dossiers, elle est intacte. Donc pourquoi l'opposition, vous semblerez être parmi les gens qui sont contre le quatrième mandat de M. Moi, je suis Bouteflika? contre le pouvoir, mon cher D'accord, monsieur. d'accord. Pourquoi ne l'estimez-vous pas que le président Bouteflika fait l'unanimité, comme l'a dit M. Ouyahia, et qu'il est très intelligent actuellement, et il peut gérer encore les affaires pendant un quatrième mandat? Moi, je pose la question à M. Ouyahia, avec le respect et bien poliment, pourquoi ne pas laisser le président lui-même parler au peuple? Mais il a dit, je l'ai rencontré pendant 90 minutes et 60 Le minutes, peuple donc a ça fait besoin. 150 minutes. Si le président Bouteflika, mon cher monsieur, veut notre voix dans ces élections présidentielles, le peuple, il demande, monte sur le podium et montrez-nous votre visage, comme il a fait le dernier speech qui a été fait pour le public, c'était à Sétif, là où il a annoncé Tabjinana. Je crois, je me rappelle bien, je suis bien les informations. Je suis un expert dans la télécommunication, l'audiovisuel et tout. Des fabrications, c'est à vous, monsieur, les Et gens de... d'après vous, qu'est-ce qui pousse un homme comme M. Ahmed Ouyahia à dire ces choses-là? Il n'est pas forcé de raconter cela. Donc, d'après, s'il dit que M. Bouteflika est encore capable de gérer ses dossiers, pourquoi vous ne le croyez pas? C'est pas que je ne le crois pas. Ça, c'est son mot à lui. Et il a des intentions politiques, bien sûr, si on analyse entre les lignes et les guillemets là. Moi, je parle uniquement sur les bouts des plumes ou des stylos. Monsieur Ouyahia, ce n'est pas le moment de dire ces choses-là. Monsieur Ouyahia, laisse ces choses-là au président lui-même. Monsieur Ouyahia, vous êtes un politicien et je vous respecte. Vous avez un bagage et je vous respecte énormément. Moi, ce que je veux voir, c'est voir l'opposition algérienne qui sort et dit, voilà, nous sommes là pour le changement d'un système. Le système, moi je ne parle pas des gens. Monsieur Ouyahia, vous parlez des gens. Des gens, pour des intérêts, je ne sais pas. Expliquez-le. Pour le peuple algérien, moi je parle changer le système complètement.